Did you know that personal information like addresses and phone numbers is collected and sold by data brokers across the internet? Fortunately, Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting the removal of your info when found. Get a 14-day free trial of Aura's full toolkit, including ID theft protection, parental controls, and more, at aura.com/safety. That's a u r a dot com/safety. Most weight loss programs are short term fixes, but managing your weight needs a long term solution. And that's what makes Noom different. Noom uses science and personalization to help you manage your weight for the long term. Their psychology based approach helps you build better habits and behaviors that are easier to maintain. The best part? You decide how Noom fits into your life, not the other way around. Sign up for your trial today at Noom.com. That's n o o m dot to sign up for your trial today. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews. Sometimes it's just us. But our goal is to bring some joy and laughter into. Your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the home edit, and one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. I know you feel like you want me. Bien le bonjour aux plus belles personnes de toute la France et même de l'extérieur qui écoutent ce podcast. Parce que oui, si vous avez écouté Night Confessions, il y a très récemment eu un sondage qui a été fait par moi-même auprès de personnes. Et en fait, vous êtes juste les plus beaux. Voilà, comme ça c'est dit. J'espère que vous allez toutes et toutes et tous bien. Je me suis emmêlé les pinceaux. C'est parti pour le Pride Month. On est là dans le mois des fiertés. Je vous ferai bientôt un sujet justement qui va concerner tout ça, qui je pense on intéressera, enfin j'espère surtout, hein, on intéressera certaines certaines d'entre vous. Mais sinon j'espère que vous pétez la forme. Ça devient un peu relou quand même de pas trop pouvoir dormir comme on veut la nuit, enfin surtout le matin quand ça se réchauffe. Mais on va pas non plus trop se plaindre du fait d'avoir rangé nos manteaux et toutes les grosses cuissardes et ainsi que les pulls et tout le et de commencer à sortir notre chair, même si euh, on sait que c'est assez difficile euh, en tant que femme un peu tous les jours. Hein. Voilà. Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi n'était entre guillemets pas prévu. Enfin, il était prévu euh, que j'en parle un de ces quatre, mais pas aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi ça m'est pris d'un coup. Et il faut sachez que si vous connaissez pas cette référence, ne vous inquiétez pas, je sais que euh, ce, ce n'est pas il faut sachez que, mieux, mais il faut savoir que. Ne vous inquiétez pas, mon niveau de français n'est pas attaqué, c'est juste une grosse référence à Amélie Netten qui est dans mon cœur jusqu'à la fin des temps. Mais donc, euh, ce sera aujourd'hui une sorte de story time, enfin ce sera, ce sera story time très principalement. Le... L'épisode Sera pas obligatoirement hyper hyper long, mais c'est un sujet que je sais pas mal de personnes vont pouvoir un peu capter quand même parce que ça se relie à vos vies tout simplement, comme d'habitude. Et au niveau du titre, je pense que déjà ça a pu en alpaguer euh, plusieurs hein, en se disant euh, <laughs> est-ce que la Manon elle va m'envoyer des balles perdues pendant tout l'épisode ou est-ce que ça va être comment Mais donc je l'ai titré ainsi pour que ce soit en même temps, euh, je vais pas dire une leçon de vie. Parce que je suis pas euh, psychologue, leçonneuse de vie, je ne suis pas non, je suis pas tout ça. Vous le savez très bien. Je suis juste là pour raconter la mienne et pour que vous me raconter la vôtre parce que j'adore entendre vos vies également. Euh, vraiment, non, vous le savez. Il suffit de voir ma réaction sur l'épisode dernier euh, concernant le, bah, le, le les messages qu'il a pu avoir justement. Hein. J'étais à fond dedans. Vous l'avez bien senti. La meuf était habitée et j'ai trop aimé vos retours dessus parce que bah vous avez aussi kiffé l'épisode. Donc c'était win-win. Euh, si je peux dire ça comme ça. Mais donc cet épisode vient sur le fait, vous savez, euh, d'attendre quelqu'un. D'attendre quelqu'un, d'attendre une personne en amour, d'attendre une personne dans le couple, d'attendre une personne en fait. D'attendre euh, que l'amour soit là, mais une personne réelle. Pas dans la mesure, euh, j'attends enfin de tomber amoureux, amoureuse, j'attends de trouver l'amour. Non, non, pas dans cette mesure-là. Dans la mesure où, par exemple, euh, j'attends euh, Étienne, voilà. Ou euh, j'attends euh, Marine depuis tout ce temps. Tu as une personne en tête, tu sais qui tu attends. Et tu attends cette personne-là précisément. Et alors, je vais euh, casser tout le truc parce qu'il y en a qui doivent se dire direct... Oh mais donc Manon, elle est comme moi, elle aussi, elle a attendu quelqu'un... Non, 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 moi j'ai attendu personne. <laughs> j'ai attendu personne justement. L'épisode, c'est sur une personne qui m'a attendu et qui n'aurait jamais dû le faire. Et j'espère avant tout déjà, euh, je sais pas du tout, je pense pas que cette personne m'écoute, je ne pense vraiment pas. Mais j'espère que cette personne n'attend plus. J'espère vraiment parce que je trouverai ça. Mais fin d'une tristesse absolue, oui. Euh, c'est horrible que je dise comme ça parce que ça met genre de la distance un peu avec tout le reste, en mode euh, mais Manon. Euh, ça va, oui. <laughs> Mais oui, oui, moi, ça va, justement. Mais c'est quand je me suis rendu compte de tout ça que ça n'allait pas. Au niveau des années, je vais un peu brouiller tout ça parce que euh, j'ai des potes qui écoutent mon podcast et qui, eux, sont un peu plus aux aguets et j'ai pas obligatoirement envie de balancer sous les roues du bus cette personne-là. Mais donc, on s'était rencontrés via le sport, c'est tout ce que je peux dire. Je vais pas dire. Plus de précisions je vais pas donner de prénom ni rien. Euh, avec cette personne X, on s'était rencontrés euh, via le sport et euh, on s'est toujours bien entendu en tant que pote. Il y a toujours eu une très 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 bonne entente, hein, ce qui était très cool. Hein, donc euh, ok, très sympa. Il y avait jamais rien eu de de plus que ça, euh, parce qu'il n'y avait pas eu de discussion en fait qui pouvait mener à ça. Alors, faut savoir que à cette époque là, donc euh, quand tout a commencé, j'étais encore au lycée, donc vraiment quand je vous dis enfin ça date quand même. J'ai pas 55 ans, mais voilà, ça date quand même. Mais donc quand j'étais au lycée, on était à fond sur Twitter. Alors je sais que Twitter ça a repris une vague de zinzin, mais nous on était à fond. On avait les habitudes, mais stupides, genre par exemple, de mettre quelle musique on est en train d'écouter. Le hashtag NP. Now playing, euh, N.W. Now watching pour les films. Enfin, quand tu te connectais le matin, tu mettais hashtag on. Quand tu euh, le soir allais te coucher, hashtag off. Ça avait aucun sens. Mais on était à fond là-dessus. Et euh, il avait aussi Twitter. J'avais Twitter. Donc ce qui fait que il euh, y a eu Twitter aussi où on s'est rapproché, où ça se parlait beaucoup plus souvent. Parce que je crois, non, j'étais pas en illimité à ce moment-là. Euh, j'étais pas encore en illimité. Le forfait il était encore assez euh, restreint par euh, par les darons là-dessus. Voilà. Hein, J'avais un téléphone, mais euh, <laughs> pas tout. Mais ce qui fait que donc euh, avec le Wi-Fi Twitter, ça permettait de faire comme si justement on avait les SMS en illimité, de pouvoir se parler hyper, hyper souvent. Les choses qu'on avait fait et tout. Et donc, euh, bon, on s'était rapprochés, mais d'abord, enfin, en, vraiment en tant que pote, il hein, n'y avait vraiment rien d'ambigu et franchement. Euh avant qu'il apprenne ait la chose ambiguë, euh, ça a dû facilement, mais facilement mettre, je sais pas, un an et demi, deux ans, et encore, hein, peut-être plus. J'ai euh, vraiment les notions de temps qui sont assez euh, brouillées dans ma tête là, mais grosso modo, c'était ça. Et donc, il y a eu un soir, juste on discutait en DM sur Twitter d'un peu euh, tout et rien, et là, d'un seul coup, il me fait un compliment en fait physique. Et euh, j'étais là en mode. Euh, ah, trop bizarre, genre euh, il me trouve mime, c'est tout, genre trop chelou, tu vois. Donc, bon, euh, je remercie, je suis là en mode ok. Puis le truc, c'est euh, continuer à couler. Quelques mois après, il y a eu un autre compliment, donc rien de euh, vous savez, de, de, de pressurisant, rien de chelou, rien de la personne qui vraiment euh, joue le forcing ou je sais pas quoi en fait. C'était juste, enfin, euh, c'était chill, c'était comme ça et tout. Donc, bon, je me suis dit, écoute, une deuxième fois, bah c'est sympa. Je suis allée un peu dans son sens parce que en soi-même, euh, j'étais euh, du même avis, hein, donc euh, je suis allée un peu dans son sens. Euh, Célibataire à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, juste euh, tu dis que que es un peu dans les mêmes cordes, histoire que la personne comprenne que t'es pas en train, en fait, soit de jouer avec, soit de, de, de juste bégayer en fin de compte. Et que tu sais ce que tu veux, même si euh, j'étais pas là en mode oh, faut qu'on se mette en couple. Non, c'est juste pour répondre, et comme on dit euh, dans la street, hein, pour parler français, quoi. Et les discussions, elles se sont enchaînées, bien entendu, à plusieurs reprises, on s'est vus euh, en compétition et tout ça. Euh, donc, ce qui fait qu'on se voyait, mais euh, pas euh, en mode extérieur. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de moment où on s'est dit Viens, on se capte, et que tous les deux. Il y a eu quelques soirées, justement, avec euh, les gens de, de l'athlétisme et tout, où donc on s'est vus cette fois-ci dans des contextes extérieurs, mais ça restait toujours très chill. Jusque Jusqu'au jour où, euh, dans une période de célibat, et je ne sais pas ce qu'il, je me souviens plus de ce qu'il est après à ce moment-là. Je ne me souviens plus du tout. Mais là, d'un seul coup, genre. Ça a proposé qu'on se voie que tous les deux parce que il était là en mode genre j'en ai envie depuis hyper longtemps. Et je me suis dit, quoi de me voir moi Genre moi Parce que bon, à cette époque-là, je vais pas dire que je ressemblais à un coin de porte, mais je préfère la version de Manon de maintenant en fait. Donc je me suis dit, genre moi Surtout que bon, il y avait plein de meufs beaucoup plus stylées qui s'intéressaient à lui. Donc je me suis dit, mais attends, attends, are you certain que c'est de moi dont on parle ou d'une autre Manon en fait qui me ressemble vite fait Mais donc je me suis dit, ok, mais trop bizarre. Mais ouais, ok, un de ces quatre. En fait, j'ai juste dit, genre, un de ces quatre pour un peu euh, pas noyer le poisson, mais pour euh, voilà, on laisse le truc planer euh, en mode ok, on verra. Parce que sur le coup, je me suis dit, je sais pas, peut-être il se fait chier et tout. Quelques semaines plus tard, alors que vraiment, je vous dis, genre, c'est euh, quelqu'un qui est un peu classé dans le style beau gosse et tout le reste, donc c'était pas en mode il euh, y a que Manon, tu vois, c'était impossible. Quelques semaines plus tard, il revient justement euh, à la charge là-dessus en mode alors, euh, quand est-ce qu'on se fixe euh, On se fixe, c'est mieux déjà que le fisc. <laughs> quand est-ce qu'on se fixe une date euh, pour donner. Euh, date et tout ça, donc j'étais là en mode, waouh, en plus ça sort les termes, en plus ça sort les termes, ok d'accord, euh, ben bah, on a fixé une date, on l'a fixé, euh, je crois c'était sur le, le week-end d'après, où il y a eu un jour dans la semaine où euh, j'avais pas cours l'après-midi, enfin bref, il y a eu un truc qui a coïncidé, euh, on s'est vu, des choses se sont passées, des choses se sont passées auxquelles je ne m'attendais absolument pas, mais genre absolument, mais absolument, absolument pas, parce qu'on part vraiment d'un côté pote, et euh, j'étais là en train de me dire, waouh mais donc, attends, mais donc, il s'intéressait mais réellement à moi, mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Après, je me suis dit, écoute, bon, euh, bah, ça s'est passé ainsi, et ça se trouve, en fait, ça va plus me renvoyer de messages ou plus me parler de la même manière, en mode, bon, bah, c'est cool, il y a eu un coup, et puis après, c'est... Comme vous savez, il y a plein de personnes qui ont genre une sorte de tableau de chasse, et euh, ça y est, il y a une conquête de plus, donc euh, let's go, je continue ma vie, euh, voilà. Non, 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 ça n'a pas du tout été ça. On va continuer à se parler, de la même manière... Et j'étais archi C'est moi, en fait, qui ai mis une énorme distance. C'est moi qui ai mis un froid parce que je savais pas trop quoi faire. Parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi Friends with benefits. Ça veut dire, on voit maintenant ce qui se passe. Est-ce que la relation, elle peut évoluer vers on se pose ensemble J'arrivais pas à savoir, donc j'ai paniqué. Donc j'ai mis de la distance de ouf. Euh, et après, je me suis mise en couple. Alors, je sais plus avec lequel de mes ex, je me suis mise en couple, me suis posée pendant un certain temps. On se suivait encore sur Insta et tout ça. Ça continuait un peu à liker les photos. Parfois, ça répondait à une story, un truc. Rien de méchant. Rien de bien méchant, de toute manière. Enfin, dans mon cerveau j'étais à 10 mille lieu de cette affaire à 15 000 même parce que bah le passé c'est le passé ça s'est passé à un moment OK bon bah c'est cool ça s'est passé genre vers le le moment de mon bac un truc comme ça voire un peu avant euh, OK bon bah c'est cool maintenant je passe à autre chose donc entre temps je crois que j'ai enchaîné parce que c'est une époque où euh, quasi à chaque fois genre quand j'étais en couple et qu'un couple se terminait pas longtemps après, il y avait un couple qui se déclarait. Soit une amitié qui évoluait, soit une personne rencontrée par hasard, ou en fin de compte, wesh, mais on s'entend super à bien. Comme si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez ma vidéo sur euh, l'extro vieux. C'était pareil. <laughs> c'était totalement ça. J'ai fait beaucoup de. Euh, Excusez-moi, hein, Mais c'était totalement ça. C'est totalement ce qui s'est passé. En fait, c'était une rencontre genre bam, boîte de nuit. Et en mode, euh, ok, d'accord, t'es là en mode juste, tu danses avec quelqu'un et tout. En fait, vous voyez le lendemain, et le surlendemain, et le jour d'après, êtes là en mode matin, d'entendre. En fait, on s'est vu là une semaine d'affilée, limite on, on s'est pas quitté pendant une semaine et euh, le courant il passe de ouf. Enfin, tu sais, des rencontres vraiment comme ça. Donc, il y en a qui penseront que c'est un peu tu lâches jamais une branche sans en attraper une autre, mais en vrai, il y a des moments où je voulais être solo, mais j'y arrivais pas. Pas en mode non, mais j'y arrive pas psychologiquement, non, non, mais en mode bah non, il y a, a quelqu'un d'intéressant là en fait, tu vois. Et donc, c'est ce qui s'est passé sur deux, trois coupes de suite. Et il y a eu un moment où j'ai été seule, et à ce moment où j'ai été seule, ça s'est vu en, en story Instagram parce que, bah obligatoirement, tu sais, toujours on a même. Comportement, on met les sublis ridicules, euh, tu, on voit que t'es pas bien, il y a toujours les musiques ridiculement tristes que t'écoutes, donc il y a toujours ce truc avec les marqueurs de la tristesse et du célibat. Et à ce moment-là, il m'avait renvoyé un message. Il était ressorti de nulle part comme un champignon, il m'avait proposé euh, qu'on se voit pour papoter, pour se poser, pour Nani, pour un an, et j'étais là en mode euh, ouais, avec plaisir, parce que bah, c'était cool aussi de retrouver un, un pote, parce que c'était un très bon pote. Et euh, moi, je m'étais dit, bah écoute, on verra ce qui se passe, tu vois, parce qu'en vrai, J'en avais parlé en plus à mon meilleur pote à ce moment-là, c'est un dossier qui a jamais été réellement clôturé. Donc tu es là en mode bon bah écoute, ça se trouve ça se trouve en fin de compte, c'est quelqu'un qui me convient parce que bah il est très bien dans sa tête, il sait ce qu'il veut dans la vie, toutes ces choses-là, tu sais, et tu te dis OK. Et donc on a continué à se parler et à chaque fois en plus qu'il revenait, c'était vraiment c'était pas du tout, c'était vraiment pas de manière charo et c'était ça le plus flippant. C'était vraiment ça le plus flippant, c'est qu'à à chaque fois c'était de manière hyper euh, romantique, euh, douce et gentille. Donc je sais que les intentions sont justement entre guillemets, je le sais parce que tu connais la personne en plus, toutes ces choses là, et tu vois l'approche. Et donc, je me disais, ok, ça me faisait pas peur, en fait, c'est après. De toute manière, c'est après coup que ça te fait entre guillemets peur. Je dis entre guillemets, elle c'est pas une personne dangereuse du tout. Hein. Euh, on ne s'était pas revu. On s'était parlé pendant un certain temps. Vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, au niveau de mon planning, c'était impossible. C'était une époque où je faisais que bouger euh, partout. Partout, partout, partout. J'avais et euh, l'école et deux taf à côté et je bougeais partout. J'avais commencé une chaîne YouTube sur tout ce qui était euh, skincare, make-up et tout ça. Donc en fait, j'avais un planning de zinzin, mais vraiment. Genre vraiment, du lundi au dimanche. J'étais bookée H24. Je c'est une époque où je faisais limite pas de grâce matinée. Hein. On comparait à aujourd'hui, laisse tomber. Mais donc, on n'avait pas pu. Puis, encore une fois, je suis pas très forte, moi, pour euh, continuer euh, les SMS et ces choses-là si les gens ne relancent pas. Parce que je suis comme ça. Euh, J'abandonne très vite mon téléphone, bizarrement, en fait. Et donc, euh, lui aussi, il avait dû être hyper occupé parce qu'à ce moment-là, je sais plus, je crois, euh, il finissait un cycle euh, en études supérieures et donc il était à fond sur un projet ou je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a plein de trucs qui s'alignaient pas. Euh, donc, encore une fois, il y a eu ce truc de se perdre de vue sans se perdre de vue parce que bah toujours sur les réseaux, toujours ce truc là en fait, toujours ce truc, cette espèce de continuité. Donc bon moi je continue à faire ma vie et je me suis mise en couple avec euh, la personne de l'épisode euh, du podcast La Rupture, la fameuse, que je vous invite totalement à aller écouter si c'était pas encore fait mes beautés. Mais donc ce qui a fait que derrière ça, euh, automatiquement, oui. Oui, il y a eu donc plusieurs années parce que je suis restée cinq ans avec cette personne, ok. <laughs> donc il y a eu un certain temps où elle euh, bah, était sur le côté. Mais il faut sacher que, encore une fois, il faut sacher que, entre temps, il y a eu justement une, une rupture. Euh, un an et demi avant euh, la fin, 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 il y a eu un break, comme les gens disent, mais qui était donc euh, une petite rupture. C'était, c'était, bah c'était, je suis con ou quoi Je suis en train de réfléchir alors que c'était un 14 février. C'était une Saint-Valentin qu'on s'est embrouillé et que tout a été enterré. Et donc, pareil, comme d'habitude, sur mes Très rapidement, vu qu'en plus, fin, les gens me connaissent si vous me suivez sur Insta, TikTok, Twitter. Euh YouTube, bon, c'est un peu moins ça, mais Insta, TikTok et Twitter, vous voyez très bien mon humeur. Parce que je suis tout le temps en train de faire de la D. Je suis tout le temps en train de faire des conneries, tout le temps en train de faire de, des trucs sur des audios de zinzin, je suis tout le temps en train de, de manger des conneries, d'aller à la salle, toutes ces choses-là en fait. Il y a toutes ces choses-là qui tournent tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand ça va bien. Et donc c'est comme ça que quand ça ne va pas, moi, c'est hyper repérable. Parce que je vais m'enfermer totalement. Déjà que je suis casanière, faut le savoir, mais je vais m'enfermer mais totalement. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu verras plus jamais de au resto. Tu verras plus. aucun cocktail tu verras rien que moi mon chat et les que je regarde ça vraiment être que ça va être que ça most weight loss programs are short term fixes but managing your weight needs a long term solution and that's what makes noom different noom uses science and personalization to help you manage your weight for the long term their psychology based approach helps you build better habits and behaviors that are easier to maintain the best part you decide how Noom fits into your life, not the other way around. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N O O M.com to sign up for your trial today. Did you know that personal information, like addresses and phone numbers, is collected and sold by data brokers across the internet? Fortunately, Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting the removal of your info when found get a 14-day free trial of Aura's full toolkit including ID theft protection, parental controls, and more at aura.com/safety that's a u r a.com/safety Plus taffé, donc il n'y aura plus de vidéos YouTube, il n'y aurait pas eu euh, d'épisodes du podcast, enfin tous les trucs comme ça en fait qui vont se suspendre direct. Donc euh, mes amis les plus proches, eux, le savent. Et les gens qui m'ont maintenant en story en amis proches le savent encore plus. Et en plus, à ce moment-là, je passe, euh, bah, ça fait déjà genre trois bah, ans et demi hein, que j'étais en couple, et donc je passe de euh, la personne euh, qui est tout le temps là, hein, tout le temps présente, on voit tout le temps dans mes stories, même si on vivait pas ensemble à ce moment-là, mais qu'on voit tout le temps dans mes stories et tout, à obligatoirement, vous savez comment c'est. On voit plus la personne, il n'y a plus de posts, il a il y a plus toutes ces choses-là. Et les personnes aussi qui le suivaient, pareil. Donc, les gens ont commencé à tilter, euh, parce que quand même, cette, cette rupture, elle a duré euh, deux, deux mois, deux, trois mois, un truc comme ça quand même. Deux mois, être ouais, trois mois quand même. Hein. Quand même. C'était pas un petit break. Hein. C'était pas les euh, trois semaines pour réfléchir. Hein. Là, c'était une micro-rupture. Et c'est le moment où, euh, si vous me suivez euh, sur Insta, vous avez, ou YouTube, donc là où vous m'avez vu visuellement de vos yeux vu euh, j'ai à l'épaule gauche un serpent qui est tatoué pas encore fini justement mais qui est tatoué donc c'est cette période là pendant cette, euh, cette rupture là que j'ai tatoué ce serpent là et alors ce qui s'est passé c'est que donc pendant la rupture je vous ai parlé de ce serpent vous inquiétez pas je vais vous relinker l'info c'est pas pour rien que j'en ai parlé mais donc pendant cette rupture euh, il m'a envoyé un message pour reprendre des news et à chaque fois il faisait pas le mytho, c'était pas en mode juste il revenait il m'expliquait que j'ai vu tes stories j'ai vu que ça a pas l'air d'aller et c'est ça que je vous ai dit en plus qui m'effrayait le plus, c'est que il était honnête dans sa démarche. Donc, c'est pour ça que je savais que c'était pas pour un truc euh, chelou. Il était très honnête dans sa démarche. Et donc, il m'avait dit euh, que voilà, il avait vu les stories, il avait vu tout le truc, et je lui ai dit, ouais, bah écoute, euh, je sais pas si le couple est fini, je sais pas si c'est un break, je ne sais pas du tout. Euh, J'ai l'impression que c'est une rupture, en tout cas, parce qu'on ne se parle plus, on ne se voit plus, ça c'est un follow de partout, enfin voilà, tu vois. Euh, et là, ça faisait genre, euh, quand je lui ai parlé, ça faisait genre quand même trois semaines, trois semaines sans parler, sans même parler, parce que quand il y a les breaks et ces choses-là, que vous devez réfléchir, vous devez travailler sur des choses, bah, vous, en général, justement, vous en parlez au moins un peu. Là, il n'y avait aucun contact, il n'y avait que dalle. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit les choses honnêtement et tout, euh, même si, euh, bah, justement, je savais que si je lui disais, en partie, il y avait lui un truc qui allait se réveiller derrière je le savais très bien. Et donc ce qui a fait qu'il a commencé euh, un peu à me consoler et à me dire que peut-être que ce n'est pas la personne qu'il me faut, il était très honnête, pas méchant mais très honnête et que lui en fait était là, qu'il était là parce que bah en fait il m'attendait et là il me l'avait dit cash et j'étais là en mode quoi Je lui ai pas dit le quoi mais j'étais devant mon téléphone en train de me dire attends, 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 il est pas en train de me dire là, noir sur blanc, qu'il m'attend et qu'en fait il a passé ce temps à m'attendre parce qu'il faut savoir que pendant ce temps là il n'a pas été en couple. En tout cas, pas que je sache. Vraiment pas. Et euh, je regardais assez souvent ses réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu personne. Genre, jamais, jamais. Et je pense que c'est le genre de personne qui aurait montré euh, très rapidement sa chérie s'il était en couple avec. Euh, je n'ai jamais rien vu. Donc, oui, je suis sûre, il a eu des plans cul et des trucs comme ça. Mais couple, non. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible. C'est archi pas possible. On a eu une discussion un peu sérieuse et où il m'a expliqué que voilà, euh, lui, il était là depuis tout ce temps et que là, il était encore là et que euh, de toute manière, il bougerait pas. Et là je me suis dit non, 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 ce n'est pas possible. C'est vraiment, vraiment pas possible. On n'est pas en train de me dire ça. En fait, on n'est pas en train de me déclamer euh, des, des poèmes, de me déclarer une flamme des trucs que t'entends que dans des séries, des films. Là, ce n'est pas possible. C'est archi, archi impossible. Et si en plus vous avez... Regardez mes vidéos sur YouTube sur certains de mes ex, vous allez mélanger les infos et vous dire Mais Manon, avant d'avoir 30 ans, t'as vécu mais combien de stories de zinzin Parce que oui, 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 j'ai été demandée en mariage, euh, j'ai eu des flammes qu'on m'a déclarées parce qu'on m'attendait, enfin, que des trucs de zinzin, vraiment. Mais d'un côté, je vais être honnête, ça m'a énormément touché quand il m'a dit ça. Je vais pas mentir, ça m'a beaucoup touché parce qu'en plus, j'étais au fond du trou à ce moment-là. Hein. À cause justement du mal-être et tout, j'avais perdu en 3 semaines, je devais avoir perdu presque 10 kilos. Bon, je remercie la perte des 10 kilos à cette époque-là, je vous l'avoue. Parce que avec mes TCA et tout ça, vous savez, c'est que du yo-yo. Mais donc, euh, j'étais un peu euh, au fond du trou. Je me sentais pas ouf. Euh, mes mes néné euh, avaient commencé à me quitter, euh, mais totalement à me quitter. Là, j'en ai trop. Là, j'en avais presque plus, euh, vraiment. Donc, j'étais là en mode waouh, Enfin, ça devient chaud. Même moi, en fait, comment je me regardais, toutes ces choses là, c'était tendu en fait. Et que lui revienne me dire ça alors que il me voyait dans mes stories, il voyait mes posts, il voyait tout ça. Et je me suis dit, bah, attends. Genre, il y a rien qui a bougé, il y a rien qui a changé depuis tout ce temps-là. Et donc, je lui ai proposé euh, qu'on se voit parce que je sentais de toute manière qu'il allait me le proposer. Uh, bien sûr, il a accepté direct. Il m'a demandé quand ce serait possible parce que lui à côté, il était, uh, uh, il finissait une alternance. Uh, si je vous dis pas de bêtises, c'était quelque chose comme ça, en tout cas comme de l'alternance. Mais en plus de l'alternance, il avait aussi un taf à côté parce que, bah, vous le savez, l'alternance c'est pas non plus uh, un truc qui vous paye uh, grassement. Non, vous êtes bien situé si jamais vous êtes alternant ou alternante uh, pour savoir tout ça, vous êtes très très bien situé. Et donc sur le euh, samedi qui suivait, franchement on devait être un, on devait être un jeudi, je crois quand on parlait. Le samedi qui suivait, j'avais rendez-vous pour me faire tatouer justement. J'avais déjà euh, prévenu euh, deux de mes potes qui euh, allaient euh, me rejoindre euh, sur place pendant euh, la session euh, justement parce que j'aimais bien, vu qu'en plus c'est une de mes potes qui me tatoue assez souvent, donc c'était assez friendly comme ça. Après on allait manger en groupe et tout. Donc je lui ai proposé de venir parce que pour le coup il y a un de mes potes il l'a déjà croisé quelques fois en compétition et tout. Et puis bon je me suis dit écoute euh, quitte à ce qu'on se voit là. Ça fait quelques années, autant ce soit dans une ambiance chill. Donc je l'ai prévenu. Il savait qu'il euh, ne serait pas seul en face de moi et tout. Donc j'ai commencé à me faire tatouer. Il y avait euh, pour l'instant que mes potes, lui, il arrivait un peu après. Et en plus, bah, mes potes qui me charriaient un peu, euh, qui étaient là en mode, allez, ça y est, maintenant, le prince Armand qui débarque, sur le... je sais pas quoi. Et donc il est venu. Et franchement, c'est super bien passé. Euh, il a super bien vibé avec mes potes. Après, on est allé manger. On s'est tous posés, on a bien rigolé, et tout. Euh, la soirée est super bien passée. Je me rappelle qu'il a payé pour moi sans, sans rien demander ni rien. Je me suis dit, ok, d'accord, excusez-nous. Euh, et donc par la suite, on a pris sa voiture donc il est en voiture et il m'a proposé directement de me raccompagner même si moi j'avais mes transports qui étaient juste à côté et en plus j'avais un chemin direct mais j'ai dit oui parce que en plus il s'est déplacé que pour ma tête et je savais qu'on allait pouvoir parler donc en gros avec mes potes et tout ça on s'est quitté sur les coups de 22 30 un truc comme ça donc lui et moi on arrive en bâtiment en voiture à peu près 23 heures quelque Chose comme ça, et donc on a parlé, on a vraiment parlé de tout et de rien, vraiment, vraiment de tout et de rien, de nos vies depuis ce moment-là, de des projets pour après, euh, de en fait de tout et de rien sans vraiment même parler en soi-même, juste de nous. Il m'a même fait énormément parler euh, de mon couple à ce moment-là, enfin, couple dans en tout cas, la micro-rupture qu'il y avait à ce moment-là. Il m'a fait parler de tout ça, et j'étais assez, assez choquée parce qu'en plus, bon, faut savoir à ce moment-là, j'avais quel âge, j'avais, 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 je dis ça comme si c'est à 45 ans, mais je sais pas, euh, j'avais 22-23 ans, euh, donc en plus, j'ai pas connu que des schémas hyper euh, euh, sains en fait de personnes hyper saines qui vont te laisser euh, parler comme ça euh, de, de tout et tout le monde même de tout et n'importe quoi et tout donc j'étais là en mode waouh hyper chill parce que vraiment vraiment ça, ça se voyait tout manière dans ses yeux il en parlait pour de vrai c'était pas en parler juste en mode euh, allez vas-y on va la laisser parler non non il en parlait pour de vrai et ce qui a fait je vous le dis on était resté dans sa gova jusqu'à je crois 4h du matin. Euh, J'aurais pu vérifier là parce que je sais que j'avais mis une story. Euh, retour dans l'ascenseur. Il était 4h du matin près 4h, heures, 4h30. Heures euh, faites le calcul. Et pourtant, il s'est rien passé Si, On s'était genre euh, embrassé en se disant au revoir et tout ça. Mais il s'est rien passé d'autre. C'est vraiment pure discussion. Et donc je me rappelle, j'avais envoyé un message à mon meilleur pote pour lui dire gros, euh, je sais pas ce qui se passe et quel tournant c'est en train de prendre, mais moi je comprends pas. J'étais là en mode wesh. Et bon, il m'avait dit, tu sais quoi, go with the flow et tu verras toi-même. Et donc il m'avait envoyé un message de euh, toute manière quand il était arrivé ok bonne nuit un nain. et le lendemain il m'a demandé quand est ce que je serais dispo sur, euh, sur la semaine euh, pour qu'on se fasse un ciné Je sais plus quel film était sorti c'est un truc un peu suspense horreur et tout et euh, donc je lui ai donné mes dispos je crois que j'ai une dispo vraiment très peu de temps après donc on s'est vu à bercy village pour euh, mes parisiens sûr euh, pour aller à l'ugc et tout la séance s'était super bien passée ça se tenait la main voilà m'avait re accompagné euh, jusqu'à chez moi en voiture et tout ça avait reparlé pendant trois plombes alors que bon pourtant le lendemain justement tout monde était au taf en cours ou je sais pas quoi mais mais écoute euh, les gens étaient à fond et tout ça et en fait les choses ont continué comme ça pendant peut-être euh, je sais pas deux trois semaines mais vraiment à fond c'est à dire que euh, lui me l'a dit dans tous les cas que c'était les prémices de la relation que c'était juste histoire en gros de se remettre dans le truc et de se réhabituer l'un à l'autre en fait tout simplement de reprendre un peu des habitudes et tout parce que ben bah, on se connaissait avant en tant que pote et donc il y a ce truc là quand même qui a reconnecté parce que comme je vous ai toujours dit quand vous êtes en couple avec une personne il faut être ami avec cette personne pas uniquement avant maintenant en tout cas, pendant, c'est sûr et certain. Et donc, il y avait tout ce truc-là où, en fait, je savais très bien, j'avais dit à mon meilleur pote, bah, gros, là, je crois qu'avec Monsieur X, en fait, on est ensemble, tu vois. En fait, on est ensemble. Et entre temps, mon ex euh, revient, parce qu'il a il était parti à l'étranger, il revient de ses vacances ou de je sais pas quoi, en fait, de son isolement, pour me dire euh, que ce serait bien qu'on parle. Et je me suis dit, bah écoute, ouais, parce que est-ce que ça allait être de la closure Est-ce que ça voulait dire, euh, vas-y, on se remet ensemble Parce que c'est lui qui m'avait qui têche. C'est lui qui m'a été de les deux fois. Ça, c'est fou quand même, hein Mais donc je me suis dit, ok, vas-y. Je l'ai mis au courant, monsieur X qu'il a un peu mal pris, euh, ça m'avait refroidi mais je suis stupide, ça c'était normal de sa part en fait, c'est normal parce que bah meuf euh, t'es stupide ou quoi, une personne obligatoirement qui est intéressée par toi et qui veut se mettre en couple avec toi, tu lui dis que ton ex avec qui il y avait une espèce de, de rupture depuis quelques mois euh, veut te reparler te revoir, oui oui automatiquement parce que la personne sait que c'est plus facile de se remettre avec un ex que de lancer une nouvelle relation, on n'est pas stupide. surtout qu'il savait comment ça s'est terminé, il savait que je me suis fait tège. donc il savait que en même, c'est pas moi qui allais arriver euh, dominante, on va dire, dans la discussion. Et malheureusement, il avait raison. Très malheureusement, il avait raison. Je dis très malheureusement parce que j'aurais pas dû me remettre avec mon ex à ce moment-là, parce que ça a jamais été mieux en fait qu'avant. Enfin, bref. Et puis, dans tous les cas, si vous avez écouté l'épisode La Rupture la fameuse, vous-même, vous savez. Mais ce qui fait que, euh, bah, comme une lâche, je lui ai envoyé un message. Euh, bon, après, j'allais pas l'appeler, j'allais pas m'asseoir en face de lui euh, non plus hein, pour lui expliquer ça, parce que je trouve ça assez horrible les gens qui font ça. Pour moi faites-le par message sincèrement. Si vous voulez envoyer un vocal, envoyez un vocal mais appelez pas les gens et faites pas venir les gens en endroit en physique pour genre les plaquer ou pour des trucs comme ça, c'est très bizarre. Excepté si vous vivez sous le même toit bien sûr hein, parce que là justement le SMS sera lâche. Mais ce qui fait que je lui ai dit assez lâchement donc euh, lui et moi on avait parlé qu'on avait mis les choses à plat et que euh, on s'était dit qu'on va se donner une deuxième chance et tout ça. Et il a très mal pris. Il m'a pas insulté hein, il a pas été rien non non non. Je veux dire il était très 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 frustré, euh, quand même énervé. Il était blessé parce que parce qu'il avait été là pendant le temps où j'allais mal, parce que il a attendu en fait depuis très longtemps. Euh, en gros, son opening, en fait, sa chance de se poser avec moi. Je dis ça en mode, je suis Beyoncé et je suis le gros lot, ça me fait trop rire. Mais donc, il l'a très mal pris et euh, j'ai pas répondu au dernier message après parce que je ne savais pas où me mettre. J'avais aucune idée de comment répondre, de quoi faire dans ce cas-là. En mode, euh, t'as un peu brisé quelqu'un, tu vois. T'as brisé ses attentes et, euh, et euh, l'image, ça se trouve que la personne aura toi à partir de là, euh, bah, sera négative et je savais pas comment réagir à tout ça. Euh, Moi-même, j'avais honte en fait à partir de ce moment-là quand j'ai vu sa réaction parce que je l'ai senti très blessé. Et c'est là que je me suis dit aussi, et surtout en prenant du recul par rapport à tout ça, j'ai repensé l'autre jour parce que euh, je sais plus pourquoi. Il y a eu un truc qui m'a fait repenser mais je sais plus du tout ce que c'était et où je me suis dit que si vous êtes en train de faire ça vous qui m'écoutez. Si là tout de suite vous qui m'écoutez, vous êtes en train d'attendre une personne, que ce soit une personne qui vous a dit de l'attendre ou une personne que vous avez décidé d'attendre, faut que vous arrêtiez. Faut totalement que vous arrêtiez parce que en vrai quand je vois avec du recul c'était un truc de zinzin ce qu'il a fait. Et j'espère, c'est pour ça, j'espère qu'il le fait plus. Parce que déjà, dans tous les cas, mon chéri, je compte bien euh, qu'il me mette la bague au doigt et qu'on ait des enfants, tu vois. Donc, euh, voilà. Il <laughs> y, y a plus aucun opening possible. Plus aucun. Mais si c'est une chose que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que si c'est quelqu'un ou quelqu'une qui vous a dit de l'attendre, euh, non. Non, on demande pas à quelqu'un d'attendre. Même si euh, ça se trouve, il euh, y a des raisons. Même si par exemple, il y a de l'éloignement géographique, à toutes ces choses là, les familles qui veulent pas, on essaie de trouver une solution, j'en sais rien. N'attendez pas une personne. Ça va vous ronger. Ça va obligatoirement vous pourrir parce que vous allez vous empêcher de vivre l'expérience. Ça se trouve, ça se trouve toutes les personnes que tu vas croiser, ça va être soit des cousins, soit soit j'en sais rien. Ce sera pas des gens avec qui tu te mets en couple, mais dans tous les cas, tu vas t'empêcher. Et puis même, ça se trouve il y a des gens avec qui tu te mets en couple et vous allez rester uniquement ensemble pendant trois mois. Et ben ça ne veut pas dire que ça servait à rien. Ça veut dire que tu as passé trois mois dont tu as profité, je l'espère, et que en fait c'était une expérience, c'était une personne sur ton chemin. Et c'est ça le souci. Que ce soit quelqu'un, quelqu'un qui t'a dit de l'attendre ou vous qui le décidez, faut arrêter de le faire. Faut arrêter d'avoir ce truc qui plane et de vous dire que soit parce qu'il y a eu un jour quelque chose ou parce que vous avez en tête que ça va le faire, ça va le faire. Parce que croyez-moi, c'est pas obligatoirement le cas. Et franchement, plus je regarde en arrière et plus je repense à cette affaire-là et plus je me dis que c'est ultra triste, en fait. Parce que je veux dire, il me l'aurait dit dès le début, soit je me serais dit, ok, ben, bah, on se pose ensemble, tu vois. Comme ça, et on voit ce que ça donne. Ou bien j'aurais dit non, gros, non, non, arrête et trace ta route. Arrête et trace ta route. Parce que je suis pas du genre à dire à quelqu'un, ok, et eh bah ben continue à m'attendre. Hein. Non, parce que c'est très bizarre. C'est absolument très bizarre. Et franchement, si vous le faites, arrêtez. Arrêtez parce que je vois pas en quoi ça peut être bénéfique. Je vois pas en quoi le fait de, de mettre en fait votre, pas votre vie, votre cœur en suspens pour une personne, ce soit normal et surtout en quoi ce soit bon pour vous ça ne peut pas l'être ça ne peut absolument pas l'être et c'est sûr que ça aura des répercussions ailleurs et c'est pour ça que je me suis dit vas-y même si c'est un story time j'ai quand même partagé le truc parce que je sais qu'il y en a potentiellement qui vont soit se reconnaître dans moi ou dans monsieur X et il va falloir arrêter ça il va vraiment falloir parce que ça se trouve je sais pas si actuellement il est en couple ou quoi que ce soit mais je me dis imagine pendant tout ce temps à m'attendre en fait il aurait peut-être pu rencontrer la femme de sa vie genre. La vraie femme de sa vie, parce que c'est pas moi du tout en fait. C'est archi pas moi. Et donc, arrêtez de me faire ça. Ça se trouve, vous rencontrerez personne, hein. Ça se trouve, vous rencontrerez quelqu'un ou quelqu'une de ouf. Ça se trouve, en fait, vous allez juste apaiser votre esprit et votre cœur qui est là, en fait, qui est sur pause depuis tout ce temps-là, parce que vous vous êtes dit qu'il faut attendre la personne que vous voulez attendre. Donc, arrêtez-moi ce non-cess par pitié. J'espère que petit épisode en mode storytime vous a plu. N'hésitez pas à me le dire surtout, parce que j'ai plein de storytime. Ouh là là là, croyez-moi, j'ai plein de petites histoires, mais qui peuvent bien sûr être j'espère intéressante et surtout fait, bah, avoir un écho auprès de pas mal d'entre vous sur euh, pas mal d'expériences et pas que amoureuse, n'inquiétez pas, il hein. euh, y a du pro il y a de l'amical, il y a du familial il y a plein de choses, il y a plein de choses dont on peut parler et surtout si vous voulez qu'on parle un peu plus souvent rejoignez-moi sur Instagram principalement vous avez mon profil qui est toujours en barre d'infos daring.ia sur Instagram et en attendant je vous fais de gros bisous et on se donne rendez-vous, même lieu, la semaine prochaine avec la même hôtesse Peace guys <music> Some space to think this through. Have you ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally aura is a personal digital security service that scans the internet for your sensitive information and provides a full suite of privacy-enhancing tools for a limited time aura is offering listeners a 14-day free trial at aura.com slash safety that's a-u-r-a dot com slash safety to learn more and activate the 14-day trial period acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into. Your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the home edit and one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.